Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné ce concept que ça m'angoisse. Salut à tous! Je pense que vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans mon décor habituel, mais bien dans le coin lecture. Et qui dit coin lecture dit lecture à voix haute. C'est un concept qui vous plaît vraiment beaucoup, et là, ces derniers jours, j'ai reçu vraiment pas mal de messages me demandant de recommencer les lectures à voix haute. Je vous ai entendu, et en plus cette semaine, j'ai pas eu le temps d'écrire des articles, de tourner des vidéos ou quoi que ce soit. J'ai mis 3 propositions sur Instagram pour les lectures à voix haute, et c'est ce recueil de poésie qui a gagné Le Soleil et ses fleurs de Rupicor. Et je suis ravie parce que c'est probablement mon recueil préféré de Rupicor. Mais bref, ça vous vous en fichez probablement, donc on commence la vidéo, bonne écoute à vous. Tu es partie et je te voulais encore, mais je méritais quelqu'un qui veuille bien rester. Je pouvais être n'importe quoi dans le monde, mais j'ai voulu être à lui. T'aimer était respirer. Mais voir ce souffle disparaître avant qu'il remplisse mes poumons, quand ça s'en va trop vite. Tu es partout, sauf ici, et ça fait mal. Ils se quittent et font comme si ça n'avait jamais eu lieu. Ils reviennent et font comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Fantômes. Lève-toi, dit la lune, et le nouveau jour arriva. Il faut continuer malgré tout, dit le soleil. La vie ne s'arrête pour personne, elle te tire par les jambes, que tu veuilles avancer ou non, c'est son cadeau. La vie va t'obliger à oublier comme il te manque, tu vas perdre ta peau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Ils ont touché tes yeux pour finir juste tes yeux, pas les yeux qui les contenaient. Tu vas aller jusqu'à la fin de ce qui n'est que le début et avance. Ouvre la porte au reste du temps. Je remarque tout ce que je n'ai pas et décide que c'est beau. Hier à mon réveil, le soleil tomba par terre et roula loin de moi. Les fleurs se décapitèrent. Tout ce qui reste de vivant ici, c'est moi. Et j'ai à peine l'impression de vivre. La dépression est une ombre qui vit à l'intérieur de moi. Tu attends quelqu'un qui ne revient pas. Ce qui veut dire que tu vis ta vie dans l'espoir que quelqu'un réalise qu'il ne peut pas vivre la sienne sans toi. Les prises de conscience ne fonctionnent pas comme ça. Quand la neige tombe, je soupire après l'herbe. Quand l'herbe pousse, je la piétine. Quand les feuilles changent de couleur, j'aspire à l'arrivée des fleurs. Quand les fleurs s'ouvrent, je les cueille. Jamais contente. C'est comme si tu m'avais jetée si loin de moi-même que depuis, j'essaie de retrouver mon chemin. L'ironie de la solitude, c'est que nous l'éprouvons tous en même temps. Nous sommes en train de mourir, depuis que nous sommes arrivés là, et avons oublié de profiter de la vue. Vis pleinement. Tu ne te réveilles pas un jour transformé soudain en papillon. La croissance est un processus. Comme l'arc-en-ciel après la pluie, la joie va se révéler après le chagrin. Même s'ils savent qu'ils ne seront pas là longtemps, ils choisissent de vivre malgré tout leur vie la plus rayonnante, tournesol. Quand le monde s'écrase à tes pieds, tu as le droit de laisser les autres t'aider à ramasser les morceaux. Si nous sommes présents pour participer à ton bonheur quand la vie te sourit, nous sommes d'autant plus capables de partager ta douleur. Communauté. Laisse les choses aller, laisse les choses partir, laisse les choses se produire. Rien dans ce monde ne t'était promis, ni ne t'appartenait. Tu ne possèdes que toi-même. Lorsque j'ai touché le fond, qui existe après le fond, et qu'aucune corde, aucune main n'est apparue, je me suis dit, et si personne ne voulait de moi? Parce que je ne veux pas de moi. Je suis peut-être à la fois le poison et l'antidote. Qu'est-ce qui est plus fort que le cœur humain, qui se brise à maintes reprises et pourtant continue de vivre? Les frontières sont artificielles, elles nous séparent seulement physiquement,
Ne les laissons pas nous inciter à nous attaquer les uns les autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes peut-être tous des immigrés, troquant un refuge pour un autre. D'abord, nous quittons l'utérus pour l'air, puis la banlieue pour la crasse de la ville. En quête d'une vie meilleure, certains d'entre nous quittent même des pays entiers. Ma voix est le fruit de la collision entre deux pays. Quelle honte y a-t-il à ce que l'anglais est ma langue maternelle et fait l'amour. Ma voix est faite des mots de son père et de l'accent de sa mère. Qu'importe, ma bouche porte de monde. Accent. Rappelle-toi le corps de ta communauté. Respirer dans les individus qui t'ont cousu tout entière. C'est toi qui es devenu toi-même. Mais ceux avant toi font partie de ton tissu. Honore les racines. J'essaie de ne pas te faire payer leurs erreurs. J'essaie de me répéter que tu n'es pas responsable de la blessure. Comment puis-je te punir? De ce que tu n'as pas fait, tu portes mes émotions comme un gilet militaire décoré. Tu n'es pas froid, ni sauvage, ni affamé. Tu es thérapeutique. Tu n'es pas eux. Les orangers ont refusé de fleurir. Si nous ne fleurissons pas les premiers, lorsque nous nous sommes rencontrés, ils ont pleuré des mandarines. Tu ne peux pas me dire que la terre a attendu cela toute sa vie. Même le soleil brilla 7 jours d'affilée. Célébration. Pourquoi est-ce que je tourne toujours en rond? Entre vouloir que tu me désires, et quand tu me désires, décider que c'est trop dur émotionnellement pour moi de vivre avec. Pourquoi est-ce que je fais tout pour qu'il soit si difficile de m'aimer? Comme si tu ne devais jamais être témoin des fantômes que j'ai fourrés sous mes seins. Auparavant, j'étais plus ouverte dans ce genre de domaine, mon amour. Si seulement nous étions rencontrés quand j'étais prête. Peut-être qu'il nous faut plus que de l'amour pour que ça marche. Tu poses tes lèvres sur les miennes. Lorsque nos visages vibrent de l'extase du baiser, tu me dis « Dis-moi que ce n'est pas bien. » Je voudrais penser avec ma tête. Mon cœur qui s'emballe et tout ce qui fait sens. Ici. C'est ici qu'est la réponse que tu cherches. Dans mon souffle court, mon manque de mots, mon silence. Mon incapacité à parler signifie que tu as rempli mon estomac de si nombreux papillons que même si c'est une erreur, ce ne pourrait être que bien de me tromper avec toi. Si je décide de partager ma vie avec un partenaire, ce serait stupide de ne pas me demander si, dans 20 ans, cette personne va être quelqu'un avec qui je vais continuer de rire ou si son charme va juste me distraire. Est-ce que je, nous, vois évoluer, devenir de nouvelles personnes d'ici 10 ans ou notre évolution va-t-elle marquer une pause? Je ne veux pas être distraite par l'apparence ou l'argent, je veux savoir s'il tire le meilleur ou le pire de moi, fondamentalement. Nos valeurs sont-elles les mêmes? Dans 30 ans, bondirons-nous encore dans le lit comme à 20 ans? Puis-je nous imaginer vieux, en train de conquérir le monde, comme avec du sang jeune coulant dans nos veines? Liste de vérification. Parfois, je m'empêche de prononcer les mots à haute voix, comme si le fait de quitter ma bouche trop souvent pouvait les user. Je t'aime. Si je devais marcher pour te rejoindre, il me faudrait 826 heures. Les mauvais jours, j'y pense. Que ferais-je si c'est l'apocalypse et que les avions s'arrêtent de voler? Il y a tellement de temps pour penser, tellement d'espace vide à consumer, mais pas d'intimité autour pour le consumer. C'est comme rester bloqué dans une gare, à attendre, attendre, attendre. Le train qui porte ton nom quand la lune se lève sur cette côte, mais que le soleil continue de brûler effrontément sur la tienne. Je m'effondre de savoir que même nos ciels sont différents. Nous avons été ensemble si longtemps, mais avons-nous vraiment été ensemble si ton toucher ne m'a pas tenu assez longtemps pour s'imprimer sur ma peau? Je fais de mon mieux pour rester présente, mais sans toi ici, tout le meilleur est seulement médiocre. Longue distance. Le bon partenaire ne se met pas en travers de ton chemin. Il dégage la route pour que tu avances. Quand la mort prendra ma main, je te tiendrai de l'autre et promettrai de te retrouver dans l'éternité. Engagement. Je ne vais plus comparer mon chemin aux autres. Je refuse de faire du tort à ma vie. Beaucoup ont essayé, mais n'ont pas réussi à m'attraper. Je suis le fantôme des fantômes, partout et nulle part. Je suis des tours de magie, dans la magie, dans la magie. Nul n'y est arrivé. Je suis un monde enveloppé dans des mondes, replié dans des soleils et des lunes. Tu peux essayer, mais tu ne vas pas m'attraper.
Haïr est facilité et paresse, mais aimer demande de la force. Tout le monde doit, mais tout le monde n'est pas prêt à pratiquer. Fais confiance à ton corps. Il réagit à ce qui est bien et mal, mieux que ton esprit. Il te parle. C'est quand j'ai cessé de chercher refuge chez les autres et construit les fondations de ma maison en moi-même que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de racine plus intime que celle entre un esprit et un corps qui ont décidé d'être entiers. Un enfant et un ancien étaient assis l'un face de l'autre à une table, une tasse de lait et de thé devant eux. L'ancien demanda à l'enfant s'il était content de sa vie. L'enfant répondit oui, sa vie était bien, mais il mourait d'envie de grandir et de faire des choses de grand. Puis l'enfant posa la même question à l'ancien. Lui aussi répondit que sa vie était bien, mais qu'il donnerait tout pour revenir en arrière à un âge où il est encore possible de bouger et de rêver. Ils burent tous les deux une petite gorgée de leur breuvage, mais le lait de l'enfant avait caillé, le thé de l'ancien était devenu amer. Il y avait des larmes qui coulaient de leurs yeux. C'est une industrie de 1 000 milliards de dollars qui s'effondrerait si nous étions convaincus d'être déjà suffisamment belles. Leur conception de la beauté est fabriquée, je ne le suis pas. Tu es un miroir. Si tu continues de te priver d'amour, tu ne rencontreras que des gens qui t'en priveront aussi. Si tu te baignes dans l'amour, l'univers va te donner ceux qui t'aimeront aussi. Une simple équation mathématique. Quelle est la plus grande leçon qu'une femme devrait apprendre ? Que depuis le premier jour, elle a déjà tout ce dont elle a besoin à l'intérieur d'elle-même. C'est le monde qui l'a persuadée du contraire. Pour guérir, tu dois aller à la racine de la blessure et l'embrasser en remontant le long de la tige. Aujourd'hui n'est pas le moment de nous taire ou de vous faire de la place quand nous n'en avons pas eu. Aujourd'hui est le moment pour nous de l'ouvrir, de faire le plus de bruit possible pour être entendu. La représentation est vitale, sinon le papillon de jour, entouré d'un groupe de papillons de nuit, incapable de se voir, va continuer d'essayer de devenir papillon de nuit. Représentation. Accepte le compliment, ne recule pas devant une autre chose qui t'appartient. Il n'y a plus de quoi s'inquiéter, le soleil et ses fleurs sont là. Et puis il y a les jours où le simple fait de respirer t'épuise. Où il semble plus facile de renoncer à cette vie, l'idée de disparaître t'apporte de la paix. J'ai été plongée si longtemps dans un endroit où il n'y avait pas de soleil, où il ne poussait aucune fleur. Mais de temps en temps, quelque chose que j'aimais émergeait de la nuit et me ramenait à la vie. Contempler un ciel rempli d'étoiles, la légèreté de rire avec de vieux amis, un lecteur qui me disait que les poèmes lui avaient sauvé la vie. Mais alors je m'efforçais de sauver la mienne. Mes chéris, vivre est difficile, difficile pour tout le monde. Et c'est là que vivre ressemble à une tentative pour se glisser dans un trou gros comme une tête d'épingle, que nous devons résister à l'envie de succomber aux mauvais souvenirs. Refuser de plier devant les mois horribles ou les années noires, parce que nos yeux sont avides de se délecter de ce monde. Il y a tant d'eau turquoise qui attendent que nous y plongions. Il y a la famille, de sang ou choisie. La possibilité de tomber amoureux d'êtres humains ou de lieux, de collines aussi hautes que la lune, de vallées qui ondulent vers de nouveaux mondes et de voyages en voiture. Je trouve très important d'accepter de ne pas être les maîtres de cet endroit. Nous sommes ses visiteurs et, tels des invités, profitons de cet endroit comme d'un jardin. Traitons-le avec la douceur de nos mains, afin que ceux qui viendront après nous puissent en faire l'expérience eux aussi. Trouvons notre propre soleil, faisons pousser nos propres fleurs. L'univers nous a fourni la lumière et les graines. Il nous arrive de ne pas l'entendre, mais sa musique est toujours là. Il faut juste monter le son. Car tant que nous avons de l'air dans nos poumons, nous devons continuer à danser. J'espère que cette lecture vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !